Bon, les élèves, nous allons commencer le texte à la page 44-45. C'est le deuxième texte dans le module 2. Tout le monde m'écoute bien? Oui, madame. D'accord. Vous avez déjà lu, vous avez à préparer ces deux pages pour aujourd'hui. Vous avez lu? Oui. Oui. Regardez les élèves. Comme toujours d'habitude, avant de commencer le texte, nous allons travailler la rubrique avant de lire le texte, cette rubrique qui concerne le paratexte, comme toujours d'habitude. Donc, le paratexte, comme vous le savez, est formé de la référence qui se trouve ici à la fin de, du texte. Regardez où. Ça, c'est la référence. Dans cette référence, on peut trouver en premier lieu le nom de l'auteur, de l'écrivain, ainsi que le titre du livre ou bien du roman d'où ce texte est extrait. Et aussi, on peut trouver l'édition et la date de publication. Donc, aussi, dans le paratexte, on peut étudier le titre, l'illustration. D'accord? Donc, les questions 1 et 2 dans cette rubrique, la rubrique avant de lire le texte, ça se trouve chez vous dans la page 44 en haut de la page. Tout le monde, vous avez le manuel? Oui. C'est à la page 44, la rubrique avant de lire le texte en haut de la page. D'accord? Oui, madame. Nathalie, pour trouver l'auteur, qui est l'auteur de ce texte, où je dois regarder? Oui, madame. Oui, Nathalie, où je dois chercher le nom de l'auteur? Dans la référence en bas du texte. Donne-moi le nom de l'auteur, de l'écrivain. Donc, Nathalie, le nom de l'auteur figure en premier lieu. Quel prénom? Comment? Oui, Nathalie. Otis. Maintenant, tu m'écoutes, Nathalie? Oui, madame. D'accord. Le nom de l'auteur, Nathalie, figure dans la référence en bas du texte. C'est dans, en premier lieu dans la référence. Qui est l'auteur de ce texte, Nathalie? Marcel Pagnol. Exactement. C'est Marcel Pagnol. Ça, c'est la partie A, Nathalie. La partie B rime. De quel roman est-il extrait? D'où on a extrait ce texte rime? De quel roman? Donc, le titre du roman figure en deuxième lieu dans la référence. Oui. C'est-à-dire que c'est juste après le nom de l'auteur. Oui. Madame, Bessarja, dire ce soir, ma femme dit choué. Bien sûr. Dans la partie B, Narim, on nous demande le titre du roman d'où ce texte est extrait. Yani, d'où on a extrait ce texte? De quel roman? Donc, je t'indique maintenant que le titre du roman se trouve en deuxième lieu après le nom de l'auteur dans la référence, en bas du texte. Donc, c'est après Marcel Pagnol, à la page 45. Donc, quel est le titre du roman? Oui, exactement, la... La gloire, oui, exactement, la gloire de mon père. Bravo, Rim. Donc, ça, c'est le titre du roman, Rim. Marcel Pagnol, c'est qui? C'est l'écrivain. Il y en a l'auteur. L'auteur. Oui, Rim? Oui. Oui, exactement. D'accord. Maintenant. Bonjour, Mama. Bonjour, Yara. Bonjour. Yara, on a commencé. Oui.
Yara, on a commencé le texte en lecteur précoce. Oui. D'accord, Yara, dans les deux premières questions, à la page 44 de la rubrique « Avant de lire le texte », ce sont des questions qui concernent le paratexte, Yara. On a indiqué le nom de l'auteur et le titre du roman d'où ce texte est extrait. Tu peux les trouver dans la référence, Yara? Oui, parce que quelle page? À la page 44-45. Le texte de la page 44-45 cherche dans la référence le nom de l'auteur de ce texte ainsi que le titre du roman d'où ce texte est extrait. Marcel Pagnol. Oui, c'est l'auteur. Et le titre? La gloire de mon père. La gloire de mon père. D'accord? Oui. D'accord. Donc, la question 3 maintenant. Quelle indication sur le narrateur le titre du roman fournit-il? Ahmad? Ahmad, oui. Tu m'entends? Oui. Ahmad, quelle information sur le narrateur le titre du roman fournit-il? Yani, la gloire de mon père. Donc, lorsque je lis un tel titre, la gloire de mon père, quelle information on peut déduire à partir de ce titre sur le narrateur? Qu'est-ce qu'on remarque, Ahmad? Quelle personne emploie le titre? Mon, c'est quelle personne? Lorsque je dis mon, ce n'est pas la première personne. Oui. Oui. Donc, le narrateur, il est interne ou externe? Externe. Interne. Donc, il est interne puisque le titre est écrit à la première personne. Donc, on peut déduire d'après le titre que le narrateur est un personnage dans cette histoire, n'est-ce pas? Oui. D'accord. La partie D maintenant. Quel personnage, on remarque que quel au pluriel et personnage au pluriel, vous attendez-vous à rencontrer dans ce texte en lisant le titre de ce roman, d'accord? Quel personnage vous attendez-vous trouver dans le texte? Quel personnage? Un enfant. Un enfant avec qui? Un professeur. Qui est ce professeur d'après le titre? La gloire de mon père. Le père? Le père, exactement. Père. Bravo. Yani, dans le texte, nous allons rencontrer deux personnages. Le narrateur, qui est peut-être enfant et son père. D'accord? Oui, c'est clair. Donc, on répète les réponses. Le narrateur, pardon, l'auteur. Il y a une mauvaise question. Un peu. D'accord, vous m'entendez? Oui. Comme j'entends. Oui. As-tu m'entends maintenant? Madame, j'entends pas. J'entends pas.
ما اريد التاكس. بس قولي عشان لا انا نزلت زوم كنت عارف انه لازم نزل ولا شيء. عم نعمل الاكزرسيسات فوق اللكتور يعني الباج. مدام قصيص Madame, s'il te parle, je ne sais pas. Et maintenant, oui, madame, aujourd'hui, il y a une mauvaise à cause de la tempête, une mauvaise chronique aujourd'hui. Je continue. Les élèves, oui, les élèves, vous m'entendez? C'est faute de connexion. Je continue maintenant. Oui, d'accord. Oui, je vérifie
Si, ah oui, il y a recording. Donc, la partie 2, l'exercice 2, la question 2, partie A, le sens ou bien la définition du mot précoce. Je répète, le mot précoce, si je parle d'un événement, c'est un événement qui arrive plutôt que qu'ordinaire. Yani, par exemple, si l'hiver commence tôt, on dit c'est un hiver précoce. Oui? Yani, avant le temps ordinaire. Yani. D'accord, mais si je parle d'une personne, c'est une personne qui est en avance par rapport à son âge. Ici, lorsque je dis un lecteur précoce, c'est-à-dire il s'agit d'une personne qui sait lire avant l'âge habituel. Un lecteur. Yani, si, l'âge habituel, si un enfant commence à lire, par exemple, à 7 ans, l'enfant ici, dans ce texte, commence à lire à un âge plus bas. Oui. D'accord, jusqu'à maintenant. Oui, Ali. Yani, exactement. Yani, c'est une personne qui est en avance sur son âge. Yani, m'sabbe amro. Claire? Yani, oui. Fait un lecteur trustif. Comment? Un lecteur trustif. Un lecteur précoce. Oui? Ah, ok. Yeah. Maintenant, la partie B. À partir du titre du texte, de la photographie, regardez la photographie. Formulez des hypothèses sur l'histoire qu'on va raconter. Formulez, yani à votre avis, qu'est-ce qu'on va raconter dans... Une minute. Qu'est-ce qu'on va raconter dans cette histoire? L'histoire de qui? D'un enfant. D'un lecteur. Oui, oui. C'est un enfant, c'est un lecteur qui... C'est un enfant qui sait lire. C'est un lecteur. Le lecteur est son père. Son père est un professeur. Bravo, Ahmad. Oui. L'enfant, il sait lire. Oui, avant l'âge habituel. Oui. D'accord, oui. Jusqu'à maintenant? En tout cas, les élèves, dans ce texte, Marcel Pagnol, dans ce roman, le roman La gloire de mon père est une autobiographie. Vous savez, c'est quoi l'autobiographie? Qui fait une photographie? Non, l'autobiographie, c'est lorsque l'auteur raconte sa propre vie. Oui, exactement. Vous avez étudié ça en arabe, Sira Zatia. Oui. Donc, on appelle ça en français autobiographie, puisque graphie signifie l'écriture. Bio, la vie. Auto de lui-même. Il y en a celui qui écrit, qui raconte sa propre vie. Oui. Il y en a en vérité, Marcel Pagnol est le fils de Joseph Pagnol. Il y en a le père de Marcel Pagnol qui est l'auteur. S'appelle Joseph, il est un instituteur, un enseignant. Oui. D'accord? Oui. Donc, dans ce roman, La gloire de mon père, Marcel Pagnol nous raconte les souvenirs de son enfance. Oui. Oui. Donc, comment on appelle un tel roman? L'autobiographie. Si je décompose auto, yani à lui-même, bio la vie et graphie l'écriture. Donc, autobiographie. Oui. Oui. D'accord. Oui. Qui peut me lire ce qui est écrit sur le tableau? Qu'est-ce qu'on remarque? Que l'enseignant, l'instituteur ici, il utilise quoi pour écrire? Est-ce qu'il utilise un feutre comme chez nous? Un crayon. Il utilise un crayon. Une clé, bravo. Autrefois, on écrit sur un tableau noir ou vert avec des clés. Oui. Qui peut me lire ce qui est écrit sur le tableau? Moi. Yara. Oui, Yara. Oui. Yara, lis ce qui est écrit sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas. Le papa est fier de chier garçon qui sait lire.
D'accord. Donc, il y a deux phrases écrites sur le tableau. Bien. Donc, on va commencer maintenant le texte. Après avoir terminé le paratexte et la rubrique avant de lire le texte, nous allons commencer le texte maintenant. D'accord? Nous allons travailler juste la première partie du texte. Oui, je peux le lire? Oui, bien sûr. Seulement le premier paragraphe, c'est-à-dire les sept premières lignes. Oui. Lorsqu'elle allait au marché, ma mère me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais aussi bien sage au premier rang et j'admirais la toute puissance paternelle. Paternelle, c'est l'adjectif relatif au père. Quoi? Maternelle, c'est l'adjectif relatif à la mère. Paternelle, c'est l'adjectif relatif au père. Ah oui. Il tenait la main, une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Vous savez que veut dire cancre? Non. Cancre, c'est un élève, mais un élève paresseux et nul. D'accord? Donc, quelle étape du schéma narratif tu as lu, Yara? Quoi? Quelle étape du schéma narratif tu as lu? C'est la situation initiale. Exactement. C'est la situation initiale. On remarque que les verbes sont conjugués à l'imparfait. Dans cette situation, on a indiqué les personnages. Qui sont les personnages? Ma mère. Oui. Partenaire, il y a le père. Mon père. Oui. Oui, Ahmad. Qui aussi? Le narrateur. Et le narrateur. Et les élèves. Et les élèves, oui. D'accord. Donc, où se déroule ici la scène? Dans la classe. Exactement, dans la salle de classe. Donc, le père du narrateur est un... Quel est son métier? Un enseignant, un instituteur. Exactement, un enseignant ou bien un instituteur. Donc, la mère, elle a l'habitude de laisser son fils, son bébé, son petit enfant, chez son père dans la classe. Mais le narrateur, à cet âge, il n'est pas encore un élève dans la classe de son père. D'accord? Oui. Tu peux répéter? J'ai dit que la mère, elle a l'habitude de laisser l'enfant, son enfant, dans la classe de son père avant d'aller au marché. Mais lui, il n'est pas encore un élève. Il est un enfant. Oui. Oui. Mais la mère le laisse chez son père dans la classe. Et là-bas, lui, il observe son père en train d'enseigner les élèves. Il aide son père? Comment? Il aide son père? Non, il reste avec lui, puisqu'il est petit, il n'arrive pas à lire. Oui. D'accord? Alors, il n'y a plus de temps, on continue après, là, non, il n'y a plus de temps. D'accord, mes élèves? Oui. Alors, on continue après. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.